Ok, alors on est dans Kitsour l'écouté Moran, Yud Gimel, sur Torah Lamed Alef. Maintenant on est arrivé au Kisufim, c'est-à-dire au Retsonot, d'exprimer explicitement avec sa bouche, de dire ce qu'on veut, de manière à créer les âmes qui vont nous donner la force de le faire. Maintenant on est arrivé dans la Torah. Avant on avait parlé de tout le principe des astres et de la communication de Tikkun HaBrit, c'est-à-dire de l'alliance entre le monde et HaKadosh Baruch Hu, de manière à pouvoir recevoir toute l'abondance que Hachem distribue au monde à travers les astres. Maintenant, s'il y a des problèmes dans l'alliance, donc il y a des interférences, il y a des problèmes dans les astres, et donc on ne reçoit pas dans le monde le Shefa qu'on devrait recevoir, c'est-à-dire tout ce qui nous revient, chacun ce dont il a besoin. Alors maintenant, après on est passé de là, Rabbeinu, il est passé de là au Inyan du Kisufim, dans le Retsonot. C'est-à-dire que maintenant, le lien, il se fait au niveau du Tikkun HaBrit. C'est-à-dire que Rabbeinu dit que par la Shmirat HaBrit, alors il y a révélation de Chesed, c'est-à-dire de bonté, de miséricorde. Cette bonté, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée le principe du désir et du languissement pour se rapprocher de l'infini. C'est ça ce que déclenche la bonté. La bonté, elle déclenche le vouloir chez l'homme du bien. C'est-à-dire que quand vous faites recette à des gens, alors vous les habituez, vous leur donnez envie de faire le bien, de vouloir des choses bien. C'est-à-dire que le recette, ça réveille le bien dans le monde, quand on fait chesed. Alors le chesed, il vient de Tikkun HaBrit, c'est-à-dire plus quelqu'un est à Tikkun HaBrit, et plus il fait chesed. Donc à ce moment-là, quand on fait chesed, grâce au Tikkun HaBrit, il y a les retsonot qui commencent, c'est-à-dire le vouloir qui commence à s'éveiller dans la personne, le vouloir faire le bien, vouloir se rapprocher d'Hachem, vouloir faire connaître Hachem dans le monde, vouloir faire connaître les tzadikim, etc., vouloir le bien de l'humanité. Maintenant, quand on exprime ce bien explicitement, on va créer les âmes qui vont permettre de réaliser ce bien. Ce bien, pour le réaliser, il faut de la force spirituelle. Quelqu'un a envie de monter une entreprise. Il a besoin de fonds, il a besoin, même s'il a des bonnes idées, tout, il a des idées quoi faire. Il sait quoi faire, mais il lui faut des moyens pour faire. Il a besoin d'investisseurs. Alors souvent, la personne, elle est capable de donner une partie de son affaire, de son brevet, pour des investisseurs qui vont prendre un pourcentage, 20%, 50%, 80%. Tout dépend de la dépendance de la personne. Et donc, à ce moment-là, elle peut réaliser ce qu'elle avait comme projet. Maintenant, chacun, il a des projets dans sa vie. Alors maintenant, en général, pour la plupart des gens, ils arrivent à se faire complètement détruire les projets qu'ils ont en eux et l'enthousiasme qu'ils peuvent avoir dans la vie et les rêves qu'ils peuvent avoir dans leur vie. En général, ils sont détruits par la société, ils sont détruits déjà par les parents en général. Que les parents, c'est des grands spécialistes pour aplanir les rêves des enfants. Au lieu de les aider à rêver, en général, ils leur disent « Mais qu'est-ce que tu crois, toi? C'est comme ça. Regarde-moi comment je travaille. Regarde ton frère, regarde ton beau-frère, regarde ta belle-mère, regarde ton grand-père, regarde tout le monde. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire, toi? Tu vas croire que tu vas faire mieux que les autres? » Et lui, il faut qu'il ait une force intérieure très très grande pour dire « Oui, je vais faire mieux. » Pas mieux, je vais faire autre chose, c'est tout. J'ai envie de faire autre chose.
Maintenant, ça, c'est très, très difficile. Déjà, à la maison et à l'école, et les copains, et la société, et l'armée, et tout ce que vous voulez. Il y a tout un système de... Comme les machines là, qui passent sur le goudron, sur les routes, là, elles aplanissent la route une fois qu'on a mis le goudron. Alors, il y a des rouleaux compresseurs. Voilà, il y a des rouleaux compresseurs qui compressent les gens, qui les aplatissent, qui les rendent plats, de manière à ce qu'ils puissent fonctionner dans la société, que ce soit des bons fonctionnaires, sages et dévoués aux besoins de la nation. Alors ces gens-là, bien sûr qu'on ne va pas les laisser avoir des initiatives ni des rêves. On va dire, bon, ça suffit de rêver, de croire, etc. Et soit comme tout le monde, ça sera déjà bien. Alors maintenant, il faut que quelqu'un ait des grands miracles pour qu'il continue à rêver et à réaliser ses rêves. Et maintenant, nous, ce qu'on a, Baruch HaShem, c'est qu'on a une méthode pour réaliser les rêves. Rabbeinu dit, voilà, tu veux quelque chose, eh bien, tu peux l'obtenir, pas de problème. Comment ? Eh bien, tu as une bouche, tu vas commencer à demander à Kadosh Baruch Hu qu'il te le donne. Tu vas dire, Hachem, voilà, je veux ça. Hachem, je veux monter en Israël. Hachem, je veux avoir une maison en Israël. Hachem, je veux me marier. Hachem, je veux avoir des enfants. Hachem, je veux avoir des bonnes midotes. Je veux être quelqu'un de calme, de gentil, de quelqu'un qui fait du chesed au monde, quelqu'un qui enseigne la Torah, quelqu'un qui apprend la Torah. Quelqu'un qui va faire du bien dans le monde, qui va faire connaître Hachem dans le monde. Alors maintenant, quand tu l'exprimes avec ta bouche, qu'est-ce que tu fais? Tu vas fabriquer l'âme qui va te donner la force de faire ce projet-là. De la même manière que quelqu'un d'un projet, il cherche des investisseurs pour développer son projet. Toi, tu n'as pas besoin de chercher les investisseurs. Ils sont dans ta bouche, les investisseurs. Tu n'as pas besoin de les trouver. Il suffit que tu l'exprimes avec ta bouche. Maintenant, tu peux demander aussi à des tzadikim de t'aider. Comme je vous ai dit hier, il y a le Sefer de Shemot HaTzadikim, des noms des tzadikim. On demande Rabbi Nachman, on demande Rabbi Shimon Bar Yochai, on demande Rabbi Meir Balanes, on demande tous les tzadikim, Achia Shiloni, Baal Shem Tov, tout celui, chacun qui vient, il appelle, il demande aux tzadikim. Alors, comment ils ont fait paraître là dans les... Il y a un jeune étudiant israélien qui a découvert un... Il fait marcher un robot avec son cerveau. C'est-à-dire ce robot, il est connecté à son cerveau. Maintenant, ce robot, il se trouve en France, il se trouve à Béziers. Et lui, cet étudiant israélien, il est ici en Israël. Et lui, avec son cerveau, il dirige ce robot. C'est-à-dire quand il pense dans sa tête, lève la main, le cerveau, il lève la main, le robot, il lève la main. Il tourne ton pied à droite, alors il tourne son pied à droite. Alors il a un scanner. Il a un système de scanner sur son cerveau. Que ce scanner, il transmet les informations à son ordinateur. Et l'ordinateur, il transmet au robot. Et il a dit à un moment, il y avait d'extraordinaire, qu'il arrivait à faire qu'un avec le robot. Que mamache, qu'il sentait qu'il était tellement, c'est devenu tellement naturel qu'il n'y avait plus tellement de temps qui se passait, c'est-à-dire que ce qu'il pensait, ça animait le robot automatiquement, et le robot se déplaçait selon les pensées que lui, il avait. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est extraordinaire, ça veut dire que nous aussi, on peut être des robots, parce que de toute façon, on est des robots. Puisque quelqu'un croit qu'il n'est pas un robot parce qu'on lui fait croire. On lui laisse un petit compte en banque où il peut jouer un peu avec quelques milliers d'euros. Alors il croit qu'il n'est pas un robot. Mais Bémet, il est un robot de la société. C'est changer le de société, il va être quelqu'un d'autre. Prenez quelqu'un, faites-le naître dans une forêt où il a rencontré jamais un être humain, où il n'est qu'avec des animaux. Vous allez voir comment il va grandir. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va devenir. Comment il va marcher, comment il va se comporter, etc. L'homme, c'est un robot de la société, c'est un produit de la société. Maintenant, l'homme, il peut choisir avec sa bouche de devenir un robot des tzadikim, que ces tzadikim-là qui ont quitté ce monde, ils peuvent lui envoyer des éléments d'âme qui sont de l'énergie spirituelle et qui vont lui permettre de faire des choses extraordinaires dans sa vie. Il va pouvoir faire des choses extraordinaires. Voilà, je vous ai dit, David Ameler, lui, il arrive, il doit se battre contre Goliath. Comment il va se battre contre Goliath?
Quand Goliath, il est immense, il fait des centaines de mètres de hauteur. Comment David il va se battre contre Goliath? David à côté de Goliath, il n'est même pas comme, comme une fourmi à côté de. Comment il va se battre avec lui? Mais David, lui, il avait pris conscience que c'est pas, on se bat pas avec la force qu'on a dans notre corps. Que notre corps, c'est une carrosserie, comme une carrosserie de voiture. Vous pouvez mettre un moteur dedans de 12 cylindres, vous pouvez mettre dedans un moteur de chevaux. Ou un moteur de voiture de Formule 1. Vous avez une carrosserie. Votre corps, c'est une carrosserie. Vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez. C'est à vous de décider ce que vous voulez mettre dedans. Et si vous décidez rien, vous allez être le produit de la société. C'est-à-dire un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On va faire de vous soit un cadre supérieur, soit un cadre inférieur, soit on va vous encadrer, soit on va vous décadrer, soit on va faire de vous ce qu'on veut faire de vous. Mais si vous avez compris ça, que vous êtes le résultat d'une manipulation de toute façon, alors vous allez vous choisir de vous manipuler vous-même. Pourquoi vous allez laisser les gens manipuler votre vie et dire voilà monsieur, vous choisissez, au lycée vous avez la section A, B ou C. Ah, vous dites, ben moi, il n'y a aucune qui m'intéresse. Moi, je veux une autre section. Mais monsieur, ça n'existe pas. Ben, on va la créer, c'est tout. Mais comment vous allez créer? Ben, on va demander à Dieu. Il va nous créer une autre section. Moi, je ne veux pas rentrer dans votre section. Elle ne m'intéresse pas. Il n'y a aucune chose là qui me plaît. Moi, je cherche autre chose. Ce n'est pas ça que je cherche. Mais vous êtes fou si vous ne faites pas vos études. Après, quand vous allez travailler, comment? Non, mais ce n'est pas ça que je cherche, monsieur. Moi, je cherche autre chose. D'abord, avant de rentrer dans les sections, il faut que vous répondiez à une question. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Répondez-moi à cette question. Une fois que vous me répondez à cette question, je vais vous écouter. Maintenant, quand vous ne pouvez pas répondre à cette question, alors au moins, soyez honnête et dites que vous ne savez pas du tout, ni vous, ce que vous faites sur Terre, ni les autres. Alors laissez-moi ma chance au moins. Pourquoi vous voulez m'étouffer comme vous vous êtes étouffé? Vous voulez m'étouffer à moi aussi? Soyez honnête. Dites que vous ne savez pas ce que vous faites sur Terre, mais laissez les gens chercher. Peut-être qu'ils vont trouver. Quelqu'un, il n'a pas trouvé. Peut-être ses enfants, ils vont trouver. Pourquoi il va les asphyxier aussi? Il va les mettre dans des systèmes où on va les asphyxier, on va en faire des robots. Il faut ouvrir, il faut aérer le monde, il faut laisser les gens chercher. Alors quelqu'un, dans sa bouche, il a la possibilité de créer des âmes. Que ces âmes-là, elles vont lui donner la force de réaliser ses projets. David Ameler, il a compris ça. David Ameler, il s'est battu contre un lion. Quand il s'est battu contre un lion, il a vu qu'il a gagné le lion. Il dit, comment j'ai pu gagner un lion? Il dit, ça c'est parce qu'Hachem il m'a donné la force de gagner le lion. Alors après, quand il savait ça, David Ameler, il est devenu un guerrier redoutable. Très très grand guerrier, David Ameler. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerrier comme ça. Même des guerriers qui ont des mitrailleuses et des canons et tout ce que vous voulez, ils ne peuvent pas faire ce que David Ameler, la force qu'il avait, David Ameler, il pouvait transpercer 1800 personnes avec une seule lance. C'est-à-dire David Ameler, il avait une force extraordinaire, mais ce n'était pas une force humaine. C'était une force qu'il a reçue avec des âmes qu'il a créées. Ces âmes-là, il les a créées avec ses paroles de Tehillim, en faisant des psaumes à chaque fois, en demandant à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi de mes ennemis, aide-moi à avoir la force de faire régner ton nom dans le monde, aide-moi à trouver l'endroit du Beth Amikdash. Voilà, David Ameler, il avait un but de trouver l'endroit du Beth Amikdash. L'endroit du Beth Amikdash, l'endroit ici qu'il y a au Kotel, cet endroit-là, lui, il avait envie de le trouver. Avant lui, il n'y a personne qui l'a trouvé. Il y a des gens qui l'ont... Yaakov Avinu, il a dormi là-bas. Il a été amené par l'Ashgara. Mais David Ameler, il voulait se trouver cet endroit-là. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne dormirai pas tant que je n'aurai pas trouvé l'endroit du Beth Amikdash. Et il a trouvé. Il a trouvé l'endroit du Beth Amikdash. Et après, Moshe Lomo, il a construit le Beth Amikdash. Mais David Ameler, c'était un chercheur. Alors maintenant, dès que quelqu'un cherche dans le spirituel... Il y a des investisseurs qui sont intéressés par les gens qui font de la recherche. Ces investisseurs, ils se trouvent dans l'Olam Haba. Eux, ils ne peuvent rien faire dans l'Olam Hazé. Eux, ils sont privés de la possibilité d'agir parce qu'ils sont dans l'Olam Haba. Ils ne peuvent pas agir dans l'Olam Hazé. Donc ces tzadikim-là, ils cherchent des gens qui ont des projets intéressants
pour pouvoir venir et s'investir en eux pour les aider à réaliser leurs projets et pour s'associer avec eux aussi dans leurs projets. De la même manière qu'un père, il va avoir part à la réussite de son fils. Maintenant, on ne parle pas d'une part qui soit une part pécuniaire ou matérielle, mais la réussite de son fils, il la doit à son père, même si ce n'est pas son père qui lui a appris pratiquement ce qu'il sait, mais la possibilité déjà qu'il est né et que son père il lui a donné à manger, qu'il a envoyé au Talmud Torah, qu'il lui a appris la Torah, etc. Il lui est redevable de ça toute sa vie, parce que c'est grâce à ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Il aurait pu avoir un père qui lui apprend à jouer aux échecs, qui fait de sa vie un échec. Mais son père, il a eu un père, Baruch Hashem, il l'a emmené au Talmud Torah. Le dimanche, il l'accompagnait. Lui, il ne comprenait pas trop qu'est-ce qu'il faisait avec le rabbin, un truc qui baillait, parce que c'était dimanche matin, le rabbin était fatigué, et il enseignait la Torah un peu comme il pouvait. Mais ça ne fait rien, il a fréquenté le judaïsme, il lui a appris à lire pour sa bar mitzvah, etc. Tout ce qu'il lui a fait pour l'aider à rentrer dans le judaïsme, ça fait que le père, les parents ont part à la réussite de leurs enfants. Maintenant, la même chose, les tzadikim, ils ont part à la réussite du Ham Israël. C'est-à-dire que chaque juif, il peut obtenir énormément de soutien et de crédit et de financement spirituel par des tzadikim. C'est ça le secret du monde. C'est comme ça qu'il fonctionne le monde. Le Zohar dit que le Ham Israël, c'est comme de la vigne. La vigne, on la fait pousser sur des bois morts. Comment on fait pousser la vigne? On met des bois morts. On prend des bois morts, on plante ces bois morts, et sur ces bois morts, la vigne va s'enrouler, elle va pousser sur ça. Il dit l'âme Israël, il est comme ça, il pousse sur des bois morts, il pousse sur les chameaux des tzadikim qui ont déjà quitté ce monde. C'est ça le secret de la bria. C'est-à-dire, si quelqu'un il savait ça, Béhémet, et qui s'est investi là-dedans, il verrait qu'il va progresser énormément. Mais il ne va pas progresser avec ses... C'est comme si tu vois quelqu'un qui n'avait rien, d'un coup tu vois qu'il a ouvert un supermarché, une grande surface, etc. Et il dit, mais comment tu as fait? Tu étais quelqu'un, tu n'avais rien du tout. À chaque fois tu étais en train de demander 2 euros, 3 euros pour acheter un sandwich ou un truc. Comment tu as fait pour ouvrir ça? Il dit, non, ce n'est pas moi. Moi, j'avais que l'idée. Et voilà, il y a quelqu'un, il a investi et on s'est associé. Lui, il a 60% des parts ou 80%, et moi il a cru dans mon idée et il m'a aidé à le développer. Ben, spirituellement, c'est comme ça, exactement comme ça. Il y a des centaines d'âmes de tzadikim qui attendent de s'investir dans des individus qui sont dans ce monde. Il y a des centaines d'âmes, des milliers même d'âmes. Vous savez combien de Tanaïm et des Amoraïm qu'il y avait dans le monde? Des centaines de milliers, il y avait de Tanaïm et d'Amoraïm. Tous ces tzadikim-là, ils attendent de s'investir dans quelqu'un qui vaut la peine. Alors quand cette personne-là, elle demande, elle exprime son vouloir, tout de suite elle reçoit de l'aide. Tout de suite elle reçoit de l'aide spirituelle. C'est comme ça, je vous ai dit qu'on fait tchouva, c'est comme ça que quelqu'un se convertit. Comment quelqu'un va se convertir? Il sait d'où il vient pour se convertir. Comment quelqu'un va faire tchouva? Il est toute la journée en train d'écouter les Beatles et en train des trucs. Comment il va faire tchouva? Sur quoi il va faire tchouva? Non, il y a une âme qui vient et qui l'aspire vers le haut, qui lui donne des envies. Soudain, il n'a plus envie. Et il dit, mais comment c'est possible? C'est comme ça. Nous, on avait ici Meir à la Vachalom. Malheureusement, il est décédé jeune, il avait 17 ans. Mais vous voyez, quand il a commencé, après sa bar mitzvah, comme ça, 14 ans, 15 ans, il a commencé à faire Avodat Hashem. Et Mamash, il avait un comportement d'un tzadik, il n'était plus de ce monde, il n'était plus intéressé par rien de ce monde, rien du tout. Toute sa journée, sa nuit, c'était que faire Avodat Hashem, étudier, prier, se lever, faire Tikkun Hatzot, faire ça et ça. Maintenant, lui, il avait des copains à l'école, alors ses copains me disaient, viens, on va jouer au tennis, ou viens, on va à la piscine, ça ne l'intéressait plus du tout, ces choses-là. Maintenant, pourquoi eux, ça les intéresse, et lui, ça ne les intéresse plus? Quelle différence? Voilà, ils étaient ensemble dans l'école. Ils étaient là ensemble, c'est des bons copains. Eux, maintenant, c'est l'été, alors ils vont à la piscine, ils vont faire du tennis, etc. Et lui, il leur dit, ça ne m'intéresse plus. Moi, je suis au Beit HaMidrash, je suis en train d'étudier, en prier. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi eux, ils sont restés là? Et lui, il a eu envie d'autre chose. Il a eu envie d'autre chose parce qu'il a reçu une participation d'investisseurs
du Olam Haba, des tzadikim, qui ont vu quelqu'un de valable, quelqu'un qui avait un potentiel très valable, et ils ont dit, on va investir en lui. Alors ils envoient, ils viennent avec une énergie spirituelle, un supplément d'âme, et ça booste la personne. La personne, elle commence à avoir envie de faire du bien, et envie d'avancer. Donc maintenant, là, le message d'espoir et d'encouragement qu'il y a là-dedans, qui est extraordinaire, c'est que tout le monde a la possibilité de réussir. Tout le monde. Tout le monde. Vous avez comme dans le monde, il existe des fonds d'investissement, par exemple, pour la recherche dans la médecine, ou pour la recherche dans ça. Il existe des fonds d'investissement spirituels qui sont ouverts à tout le monde. Maintenant, on lui demande rien d'ouvrir la bouche, c'est tout. D'ouvrir sa bouche et de demander, c'est tout. De dire, Hachem, voilà, moi, je veux étudier la Torah, mais j'arrive pas. J'ai besoin d'aide. Si tu m'aides pas, je vais pas arriver. Toi, tu m'as dit d'étudier la Torah, d'accord? Tu m'as dit d'apprendre le Chumash, la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, le Zohar, le Rambam, tout ça, je dois apprendre tout ça. Je sais que je dois l'apprendre. Maintenant, moi, je peux pas. Comme je suis là, j'ai pas la force. Alors, je te demande de m'aider. De m'aider, aide-moi. Je veux arriver à ça. Et c'est tout, c'est pas plus difficile que ça. Il suffit qu'il fasse une demande honnête, sincère, il va recevoir de l'aide. Il va recevoir de l'aide de Tzadikim. Et puis Tom, il va commencer à étudier, il va commencer à comprendre ce qu'il comprenait pas avant, maintenant il va le comprendre. Il dit, mais comment ça se fait? Avant ça, je le comprenais pas. Comment je le comprends maintenant? Mais c'est pas difficile. C'est parce que maintenant, tu as reçu un supplément d'âme, un supplément spirituel. Alors ça, cet appel-là aux investisseurs spirituels, tu l'as dans ta bouche. Tu n'as pas besoin de faire des démarches, tu n'as pas besoin de remplir des papiers, tu n'as pas besoin de garant, tu n'as besoin de rien du tout. Tu as tout dans ta bouche, il suffit de l'ouvrir, c'est tout. Et maintenant, quand quelqu'un, après 120 ans, ben ça t'achève que tout le monde réussisse, mais celui qui va arriver après 120 ans, et on va lui demander, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il dit, mais moi, je ne pouvais pas. Regardez, je ne comprenais pas. J'ai essayé de prendre la Mishnah, de lire et tout, mais je ne comprenais pas. Il dit alors, eh ben voilà, c'est tout. Il dit alors, et après, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben voilà, ben c'est tout. J'arrivais pas, c'est tout. Maintenant, on va lui montrer, on va lui dire, mais tu avais un Rav, tu as entendu parler, il y avait un Rav, un grand Rav qui s'appelait Rabbi Nachman de Breslev, oui. Alors lui, il a dit dans la Torah Lamed Aleph que si tu ouvres ta bouche, alors on va te donner ce que tu demandes, parce que tu vas fabriquer des âmes, que ces âmes-là, elles vont te donner la force de réaliser tes projets. Tu as des projets? Vas-y, parle-en, exprime-les. Ne les garde pas au fond de toi. Exprime ces projets-là. Tu as honte d'en parler à des gens, ils vont te prendre pour un fou. Tu peux parler avec Hachem. Avec Hachem, tu peux lui raconter tout ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Tu veux raconter tout ce que tu veux à Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun problème. Tout ce que tu as envie, parle-en avec Hachem. Et si tu fais ça, tu vas arriver à tout. Tu vas voir que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est pas toi comme tu es. Toi, il faut que tu te considères comme une carrosserie, pas comme une voiture. Il faut que tu te considères comme une carrosserie. Cette carrosserie, elle a dedans un moteur minimum pour faire tourner les roues, c'est tout. Ça s'appelle la plupart des gens dans le monde. Ils naissent avec une carrosserie et un moteur minimum pour faire tourner les roues, c'est tout. Et fait de 10 à l'heure, 12 à l'heure. Maintenant, quelqu'un dit, mais pourquoi moi je vais rouler à 12 à l'heure comme tous les gens? Alors, si jamais il ouvre sa bouche et qu'il dit ça à ses parents ou à ses professeurs, alors ils risquent de le frapper. Parce qu'ils vont dire, mais pour qui tu te prends, toi? Il dit, non, mais moi j'aimerais rouler à 300 à l'heure. Il dit, 300 à l'heure? Mais tu es fou. Mais tu es fou. Mais regarde, nous tous, on roule à 12 km heure. Tu es complètement fou. Si tu continues à parler comme ça, on va t'interner. Il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Mais lui, il a un rêve. Lui, il a envie de rouler à 300 à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en parler avec Akadosh Baruch Hu. Il va dire à Akadosh Baruch Hu, regarde, ma carrosserie, elle est bien, je te remercie. Mais j'ai besoin d'un moteur. C'est avec ce moteur où tu veux que j'aille. Je ne peux pas aller bien loin. Je veux monter en Israël. J'ai peur de monter en Israël. J'ai peur.
Je ne sais pas comment je vais faire pour la Parnassa, je ne sais pas comment je vais trouver une communauté, je ne sais pas comment je vais trouver une maison, je ne sais pas comment je vais m'adapter. J'ai peur. Alors aide-moi. Aide-moi, je veux aller. Je voudrais aller. Mais ma carrosserie comme elle est, je ne peux pas. C'est quelque chose qui est trop fort pour moi. Quelqu'un il veut se marier, quelqu'un il veut avoir des enfants, il ne sait pas comment il va les éduquer. Quelqu'un il cherche un travail, il ne sait pas comment il va arriver. Quelqu'un il veut prier, il ne sait pas comment il va prier, il ne sait pas comment il va étudier. Il ne sait pas comment il va avoir des rapports avec les autres, etc. Tout, il ne sait pas. Avec la carrosserie qu'il a, il ne voit pas qu'il peut aller bien loin. Mais maintenant Rabbi Nachman il vient, il te dit un secret, il te dit toute ta vie elle est dans ta bouche. Dans ta bouche, tu peux faire, avec ta bouche, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ouvre ta bouche, c'est tout. Ouvre ta bouche. Comme il a dit lui-même, Bilaam, il vient, il dit au Am Israël, mais ce peuple-là, tout, ils l'ont dans leur bouche. Ils ont tout dans leur bouche, ils ont une force dans leur bouche incroyable. C'est un peuple qui a une force dans la bouche incroyable, parce qu'il a vu l'armée des Juifs. Il a dit, mais c'est qui ces gens-là? C'est pas une armée, c'est des gens. Comment ils font pour gagner les guerres, ces gens-là? Comme la guerre des six jours. Tous les gens, ils ont envoyé le Pentagone pour analyser la guerre des six jours. Mais ils ont dit, on ne peut pas y analyser, il n'y a que des miracles. C'est une guerre qui a eu que des miracles. Il n'y a personne qui s'est battu là-dedans. Il n'y a personne qui s'est battu. Ils sont préparés. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Israéliens? Nos très chers chefs de gouvernement, bien-aimés, qu'est-ce qu'ils ont préparé? Vous croyez qu'ils ont préparé des armes? C'est des cimetières qu'ils ont préparés. Parce qu'ils étaient sûrs que tout le monde allait être tué. C'était sûr. Pour eux, c'était pas shoot. D'après leur tête à eux, qui est passée dans des machines goy, parce que tous, c'est des gens qui ont appris dans les endroits des goyim et qui ont le cerveau formaté comme un goy. Alors ils ont dit, on va. Alors ils ont préparé les cimetières parce qu'ils ont dit, ça y est, c'est fini. Ils vont nous détruire à tous. Et après, quand il y a eu la guerre, que tout le monde a vu, que les miracles, tous les gens, voilà, il y avait un commandant de l'armée syrienne, il a dit, voilà, on a vu, c'est pas des gens, on n'avait pas peur des Israéliens, ils étaient avec, je sais pas combien, des centaines de tanks, les autres, ils étaient deux ou trois. Il dit, non, mais on a vu des hommes en blanc qui avançaient vers nous et tout, on a eu très peur, on est parti. Partout, ils ont eu des visions, ils ont vu des choses. Maintenant, on leur a pas demandé à eux de se battre. On leur a dit d'amener leur carrosserie là où ils pouvaient l'amener. Et à Kodesh Baruch Hu, ils s'occupent du reste. Bon, après, maintenant, ça a été détourné. Après, ils ont fait semblant que c'était eux qui avaient gagné la guerre. Et ça, Hachem, il n'était pas content de ça. Parce qu'il fallait dire, merci mon Dieu, tu nous as fait des miracles, tu nous as sauvés, continue à nous sauver. Hachem, il veut qu'au moins on reconnaisse, c'est pas beau, tu demandes un... Tu as une bonne idée, tu as de la bonne volonté. Tu demandes à un investisseur d'investir avec toi. Le jour où l'affaire elle commence à marcher, tu lui dis, tu fais comme si tu le connais pas. Tu le croises dans la rue, tu le connais plus. Et alors lui, il est obligé de temps en temps, il te fait signe, il te dit, ça va, ça marche les affaires? Il dit, ouais, ça va, tu te plains pas, non, ça tourne bien, il dit, impeccable. Mais tu te rappelles pas qu'on avait un truc entre nous? Bon, mais ça s'est passé, c'est pas... C'est moi qui avais l'idée quand même, c'est moi qui ai eu l'idée. Il dit, mais moi j'ai mis l'argent, si je ne t'avais pas donné l'argent, tu n'aurais rien fait. Il dit, oui, d'accord, mais tu sais, il y a beaucoup de gens, ils ont perdu leur argent, hein, c'est pas tout le monde. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas réussir. Hein. Beaucoup de gens, ils ont investi, ils ont perdu. Principal, c'est l'idée, d'avoir la bonne idée. La preuve, c'est que moi, mon idée a marché. Donc, je ne pense pas que je te dois quelque chose. Hein. Réfléchis bien, tu verras que je ne pense pas que je te dois. Mais si tu insistes, si tu voudrais un jour que je te rembourse, alors bon, je te rembourserai au moins ce que tu as investi. Et il est sûr, le gars, il fantasme et tout, après ça y est. Alors ils vont faire comme ça, après la guerre du six jours, la meilleure armée du monde, les meilleurs soldats du monde, les plus forts du monde, et tout, mais ce n'est pas des plus forts du monde, de rien du tout. C'est tout des nissimes, c'est tout des miracles. Quel le plus fort de quoi? Les plus forts de quoi? De rien du tout. Hachem, il a dit que quoi, c'est que des miracles, je vous ai fait que des miracles, mais au moins, remerciez-moi, dites merci. Chacun, il peut arriver à la même chose. Avec sa bouche, il peut arriver à la même chose. Hein? Cette légende, elle est bien vis-à-vis des autres peuples, qu'ils ont une crainte, qu'ils se font des idées de l'armée israélienne. C'est pas de l'armée israélienne qui se font des idées, c'est que les autres peuples ils savent que Kadosh Baruch Hu est avec nous, c'est tout.
Ce n'est pas de l'armée israélienne, ça peut être une armée avec des tire-boulettes, ça ne change rien, c'est la même chose. Ça ne change rien du tout. Ils nous attaquent tout le temps, comment ils peuvent savoir? Ils n'attaquent pas physiquement. Parce que comme tous les missiles cachés, ils n'arrivent pas en haut, ils l'affaire d'Égypte pour les... Parce que les gens, ils ne prient pas, mon ami. Les gens, ils prient pas. Rabbeinu, il dit que si le monde écoutait Rabbi Nachman, le monde, Mashiach, il est venu depuis très longtemps. Les gens, ils veulent pas écouter, ils veulent pas utiliser leur bouche. Ils veulent pas se considérer comme des carrosseries dans lesquelles il n'y a pas de moteur, il n'y a rien dedans. On n'est qu'une carrosserie, un corps, sans rien du tout. Il n'y a rien du tout dedans. S'il n'y avait pas une âme, c'est la grandeur de l'âme qui fait la grandeur du bonhomme, c'est pas son corps. Quand tu prends quelqu'un qui était grand, quand tu dis quelqu'un qui était grand, c'est quoi qui est grand? Son corps, il est grand. C'est son âme qui est grand. Tu dis un grand homme. Qui c'est? Tu prends David Ameller, c'est un grand homme. Mais maintenant, ce grand homme, il est venu d'où? Avec son corps, tu vas aller faire de l'haltérophilie, tu vas faire monsieur muscle avec des biceps partout, dans le dos et dans les jambes et des trucs. C'est pas ça. Le corps, c'est rien. C'est le niveau d'âme qui est rentré à l'intérieur qui a fait la grandeur de la personne. Et ce niveau d'âme, il est illimité. Illimité. C'est-à-dire que tu peux arriver à des niveaux très 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 élevés jusqu'à que vraiment il n'y a plus de corps sur terre qui puisse supporter ce niveau d'âme. Alors là, la personne s'en va. Comme Rabbeinu, il est parti à 38 ans parce qu'il a dit « je ne peux plus ajouter d'âme dans ce corps ». Ce corps-là, je l'ai amené au maximum, je l'ai exploité au maximum. Maintenant, je dois partir, c'est tout. Je ne peux plus rester dans un corps. Mais ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est son âme, ce n'est pas son corps. Quand les peuples, les nations, elles ont une crainte des juifs, ce n'est pas de l'armée israélienne. Regarde des gens avec les pierres, ils ont fait sauver l'armée israélienne. Qu'est-ce qu'elle fait l'armée israélienne aujourd'hui? Rien du tout. Voilà. Chaque fois que tu vois les informations, il y a un soldat qui a été blessé, mais ça va, on l'a soigné quoi? Avec des pierres, c'est tout. Mais ils n'utilisent pas leurs armes, ils ne peuvent pas utiliser leurs armes. C'est fini, c'est fini, c'est plus les mêmes dons qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, comme toujours, on a besoin de l'intervention d'Hachem, c'est tout. Si maintenant on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider, alors il va nous aider, il n'y a aucune raison. Puisqu'on a cette force-là, Bilham lui-même, le plus grand sonné Israël. Il n'y a pas dans le monde quelqu'un qui détestait le peuple juif comme Bilham et Balak, ça n'existe pas. Lui-même, il te dit, voilà où elle est ta force, elle est dans ta bouche. Lui-même, il dit ta force, tu l'as dans ta bouche. Ouvre la bouche, utilise ta bouche, prie, demande de l'aide, demande à Hachem de t'aider, c'est tout. Et quand tu ouvres ta bouche, sache que tu as une force de créer des âmes, que ces âmes elles vont pouvoir te donner la force de réaliser tes projets. Ouvre la bouche, c'est tout. Tellement que comme tu as été éduqué la plupart du temps dans des sociétés de mutisme, où les gens ils sont muets, les gens. Ils sont habitués à être robotisés par des systèmes qui les ont rendus d'abord muets, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas parler. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas qu'ils ont une force dans leur bouche. Les gens ne savent pas ça. Maintenant, quand tu dis ça à quelqu'un, il va te regarder, il va dire, mais quoi? Mais oui, tu n'es pas une fatalité. Tu n'es pas né dans une fatalité. Tu n'es pas quelqu'un qui est voué à une fatalité de mode de vie. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta vie, tu peux décider un jour de changer. C'est tout dans ta bouche, c'est tout. C'est ça qui nous dira Benoît ici. Maintenant, toute l'intensité du pouvoir de la bouche, elle va dépendre du tikkun abrit. C'est-à-dire que plus l'alliance elle va être forte, et plus le pouvoir de la bouche il va être fort. Et quelqu'un qui a l'alliance de façon parfaite, alors il a une parole qui est énormément, extrêmement puissante. C'est-à-dire que dès qu'il dit quelque chose, alors tout le monde entier se met au service de sa parole. Parce qu'il a une parole qui est liée directement avec Hachem. Donc quand il parle, l'énergie elle descend directement dans le monde. Quand il dit voilà, celui-là maintenant il va se marier, voilà je te promets que dans 6 mois tu seras marié, eh bien c'est obligé qu'il soit marié dans 6 mois. Pourquoi? Parce que sa parole elle est créatrice. Maintenant chaque juif il est comme ça. Il a une parole créatrice à son niveau. Seulement il faut qu'il l'utilise, c'est tout. C'est une éducation, il faut se rééduquer. On a été éduqué au mutisme, c'est-à-dire on a cru qu'on était des muets parce que personne ne parlait. Si vous mettez quelqu'un qui vit avec des gens qui ne parlent pas, comment il va apprendre à parler?
Mettez quelqu'un dans un, avec des muets, grandi dans une société de muets. Lui, il peut parler, mais il ne va pas parler. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait même pas que ça existe de parler. C'est pareil, nous on est passé, on a été éduqués dans des sociétés, on nous a jamais dit qu'avec la parole, on pouvait changer notre vie. Donc maintenant, on a été habitués à agir comme des gens qui sont muets. Quand les gens ils sont muets, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des signes, ils ont un langage de muet, ils font des signes, ils bougent des objets, ils font du bruit, ce que vous voulez, mais ils sont muets, ils peuvent pas, ils n'ont pas le dialogue. Mais nous, les Juifs, on est le peuple du dialogue. Nous, on sait qu'est-ce que ça veut dire parler. Nous, on le koach du dibour. Hachem nous a donné koach du dibour. Il faut l'utiliser. Il faut utiliser notre parole. Et chacun, il verra quand après 120 ans, il passera au scanner. Et il verra qu'il avait la force d'arriver à tout. À tout. C'était une question uniquement de parole, c'est tout. Une question d'ouvrir ta bouche, c'est tout. Tu prends Tehilim, tu prends Shemota Tzadikim, tu prends l'écouter de Filot, ou tu prends ta bouche avec des mots simples et tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Une fois, on a dit à Rabbi Nathan qu'il y avait quelqu'un qui étudiait mille dapim de Gemara. Alors Rabbi Nathan, il dit, moi j'ai un élève, il dit mille fois Ribono Shel Olam. Il s'appelait Reb Boizer, c'est un ami de Rabbi Nathan, et il disait, mon Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, il répétait ça mille fois. Et quelqu'un il m'a dit, il a essayé de faire ça, et il a vu que quand tu dis mille fois maître du monde, ça prend une heure. C'est-à-dire, si quelqu'un il veut faire une heure d'Idboïdou, tu ne sais pas quoi dire, alors il peut dire maître du monde, comme ça, mille fois, ça va passer une heure. Mais chaque fois qu'il dit, ça fait quelque chose, c'est pas rien. Parce que si ça ne marchait pas, alors vraiment, ce monde-là, ça serait un attrape-nigo, mais alors total. Vraiment, c'est vraiment la plus grande blague. C'est vraiment un attrape-nigo. Ça veut dire, on te met dans un truc, tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire. Tu es né dans tel quartier, tu es né dans la mairie du 11e, mais voilà, tu restes là-bas, c'est tout. Ton école, c'était où ? Le lycée entre elles, hein, tu restes là-bas, c'est tout. Tu as raté ton bac, ben tu as raté ton bac, tu restes là-bas. Mais ça veut dire quoi ? On est de ces... Il n'y a rien dans ce monde, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. On est condamné à être le résultat des pions comme on nous a placés. C'est impensable. Quelqu'un y réfléchit à ça, il va voir que c'est impensable. Comment toute ce qu'il a fait Hachem dans ce monde, depuis les dauphins jusqu'aux fourmis, jusqu'aux oiseaux, tout ça pour qu'un ben Adam il soit le résultat de sa famille, de sa société, et qu'il soit bloqué là-dedans et qu'il ne peut rien faire. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Il y a beaucoup de déprimes qui émanent de ça, d'ailleurs. Mais c'est bien sûr. Bien sûr. La déprime, elle vient de ça. Mais parce que pourquoi les gens ils dépriment ? Parce qu'ils ont l'impression que. Ils se rendent compte qu'ils sont dans un guet-apens. Ils sont fait bloquer dans un endroit. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a la force de suicider. Il y en a qui ont la force de suicider. Mais c'est pas tout le monde qui a la force de suicider. La plupart des gens, ils n'ont même pas cette force-là. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent dans la médiocrité, dans les nerfs. Ils râlent. Ils râlent. Ce matin, j'étais dans le bus. Les seules personnes qui râlaient dans le bus, c'était un Français. Il disait à sa femme... Mais je t'avais dit, on va descendre, on va se tromper de bus, et après tu sais pas où on va aller. Je t'avais dit, ben, on prend un taxi, c'est tout. La femme, elle le calmait, il avait ses enfants aussi, elle essayait de le calmer, mais c'est celle qui râlait dans le bus. Maintenant chacun... Parce que c'était sur le français aussi. Hein? Chacun il peut arriver, Béhémet. Chacun il peut arriver, et chacun il a la force d'arriver. Il a tout ce qu'il faut pour arriver, parce que tout c'est dans sa bouche. Il a un cœur, il a une bouche, ça suffit avec ça. Avec ça, tu peux gagner toutes les guerres du monde. Toutes les guerres du monde, tu peux gagner, arriver à tous les niveaux qui existent dans le monde. Encore de la parole, encore du cœur, encore de la parole, encore du cœur, mais c'est tout. Et avec ça, tu vas créer toutes les énergies qui vont te faire grandir. Bien qu'au départ, tu étais parti avec un capital de base qui était nul. Mais tu avais des idées, tu avais envie. Alors avec cette envie-là, quand tu l'as exprimée, tu as trouvé des investisseurs spirituels qui ont investi sur toi. On dit voilà, on va lui donner. Il veut arriver, on va lui donner. Tu vois, mon cher Rabbeinu, comment Yeshua il est devenu Yeshua Rabbeinu,
Qui c'était Yeshua Binou? C'était un Ben Adam Pachout, Yeshua Binou. C'était pas, tu ne peux pas comparer Yeshua Binou avec Korach, par exemple. Korach, c'était un tzaddik 100 000 fois plus grand que Yeshua Binou. Yeshua Binou, c'était un Ben Adam Pachout. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il était tellement collé avec Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu l'a pris de son souffle à lui et lui a mis sur lui un peu. Dès qu'il lui a donné un peu, il est devenu un autre homme complètement. Tous les 70 anciens qu'il y avait autour de Moshe Rabbeinu, quand HaKadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe Rabbeinu n'arrivait plus, il dit: regarde, tu vas prendre 70 zkenim et tu vas leur donner à chacun un peu du souffle qu'il y a en toi, tu vas leur donner un petit peu à chacun. Il a donné un petit peu à chacun. Et avec ça, ils sont arrivés à faire ce qu'ils ont fait. Pinchas, qui c'était Pinchas? Pinchas, les gens, ils se moquaient de lui. Tout le monde se moquait de lui. Ils disaient: eh, ton grand-père, il était... Si ton grand-père, il faisait grandir des moutons, des veaux pour la Vodazara, tu viens, toi, maintenant, nous faire le malin, là. Ils se moquaient de lui. Ils disaient: qui tu es, toi? Descendant de Yitro, de trucs, de d'où tu viens? Comment tu viens? D'où tu sors? Mais non, lui, il avait en lui ce vouloir. Il a exprimé le vouloir, il a reçu tout de suite l'énergie qu'il fallait pour réaliser ce qu'il avait à faire. Il est réalisé, il a vu des miracles qui sont passés avec lui, beaucoup de miracles. Ça venait d'où? De sa grandeur à la base, de son capital de carrosserie qu'il avait à la base, rien du tout il avait à la base, rien. La seule chose qu'il a voulu, c'est il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit: moi, je ne veux pas laisser cette situation-là, moi je veux faire quelque chose. Et le fait qu'il s'est mis en position de faire quelque chose, il a reçu les investisseurs, ils sont venus tout de suite, ils lui ont donné tout ce qu'il fallait. La parole, oui, c'est considéré comme un acte, oui. Oui. La parole, c'est considéré comme un acte, oui. Quand vous priez, ça s'appelle agir. Mm-hmm. Comment vous... Quand on parle mal, pardon? Quand on parle mal, on fabrique des âmes négatives qui font faire des bêtises aux gens. De la même manière que quand vous parlez bien, vous fabriquez des âmes positives. Quand vous parlez mal, vous fabriquez des énergies négatives, soit qui détournent les gens, soit qui maintiennent les gens dans l'obscurité. C'est ce que Rabbeinu dit ici. C'est-à-dire que la parole, toute parole est créatrice. C'est pour ça que les gens qui connaissent la puissance de la parole, ils parlent le moins possible, parce qu'ils ont peur. Mais on ne peut pas se taire, parce que si on se tait, on va donner des comptes sur le silence. Le Zohar, il dit, il y a un massé qui donne de quelqu'un, je crois, qui habitait à Hatzor, un grand rave qui habitait à Hatzor. Alors, quand il est niftar, alors ses enfants, ils ont vu qu'il était dans l'Olam Haba, mais qu'il avait la lèpre sur lui. Alors, ils ont dit, mais attends, la lèpre, c'est pour les gens qui disent du mal, les gens qui font le Lashon Hara. Mais notre père, c'était un tzaddik, il ne faisait pas le Lashon Hara. Il dit, c'est vrai, il ne faisait pas le Lashon Hara, mais il ne faisait pas le Lashon Hatov. C'est-à-dire qu'il pouvait dire des choses bien et il ne les a pas dit. Alors, c'est exactement comme le Lashon Hara, c'est la même chose. Quelqu'un qui peut dire quelque chose de bien et il retient la bonne parole, c'est comme quelqu'un qui dit du mal, c'est la même chose. Ça vaut le même prix. C'est-à-dire dans la comptabilité d'en haut, ça vaut le même prix. Si on peut dire une bonne parole, il faut la dire. Il faut dire des choses bien. Il ne faut pas retenir les choses bien. Il y a des gens, ils ne tiennent pas leur langue pour dire des bêtises, mais quand il faut dire quelque chose de bien, pour leur tirer, il faut un truc comme pour déboucher les lavabos là, qui sont bouchés. Là, il faut pour le tirer, il faut une ventouse pour lui arracher un mot de bien. Mais il faut sortir le bien. Si on a, il faut pas garder ça en soi. Je ne sais pas cela. C'est pas, le système, il n'a pas résisté. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je sais pas. Plus internet. Dans Yud Gimel, tout ce que j'ai parlé là, c'est pour faire la connexion un petit peu sur tout ce qu'on a vu avant. Maintenant, Rabbeinu dit Shabbat Kodesh et Prinat Emuna.
Ugdushat Abrit, il y a des Ezochim, les Avat, Vishtokekut, Vikisufim, Tovim. Donc maintenant, il y a un conseil pratique pour arriver à tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire comment rentrer dans ce système-là de valorisation de la parole et du vouloir, c'est-à-dire que quelqu'un va commencer à vouloir mettre, se rapprocher d'Hachem. Shabbat, c'est un conseil pour arriver à ça. C'est-à-dire le Shabbat lui-même, il aide à la Emouna et au Tikkun HaBrit. C'est-à-dire Shabbat, il a Tikkun HaBrit et Emouna. Parce que le fait que maintenant le Shabbat, on sort de ce qu'on appelle le train-train, c'est-à-dire on sort de nos habitudes, c'est-à-dire on sort de la conception du monde vue par un carrossier, c'est-à-dire qu'on maintenant on rentre dans la conception vue par quelqu'un qui fait des moteurs, on va chercher le moteur, on va laisser la carrosserie, on s'est occupé de la carrosserie pendant 6 jours, maintenant le Shabbat on va s'occuper du moteur. Donc le fait que maintenant on va s'occuper du moteur, ça va nous donner justement un éveil pour commencer la communication avec Hachem. C'est pour ça que Shabbat, on lit dans la Torah, et on lit 2 fois dans la Torah. Les tfilotes de Shabbat, elles sont riches, on prend du temps pour prier, etc. Parce que c'est un jour où il y a un amour qui se réveille pour le judaïsme, qui est beaucoup plus grand que dans la semaine. Parce qu'on nous libère du concept qu'on a dans la semaine. Donc maintenant, ce désir même, ce languissement qui vient du fait qu'on s'arrête de fonctionner sur notre système de semaine, c'est ça même qui fabrique l'âme supplémentaire. C'est-à-dire même si quelqu'un s'arrêtait dans sa vie un petit peu, il prenait un peu de recul. C'est-à-dire il allait quelque part en vacances, mais des vraies vacances, pas des vacances où il se fait prendre la tête encore plus que ce qui s'est fait prendre la tête toute l'année avec les jeux et les trucs, etc. Vraiment des vacances, ça veut dire qu'il débranche, quoi. Il va dans un endroit, il prend un chalet ou n'importe quoi dans la montagne, oui, avec sa famille, autre, mais il débranche, c'est-à-dire il fait rien, c'est-à-dire il s'investit dans rien. Si quelqu'un il faisait ça, uniquement ça, déjà, ça amène des suppléments d'âme. Uniquement de faire ça. Le fait de sortir, ça amène un supplément d'âme. C'est pour ça que Rabbeinu dit de faire Hitbodedut. Rabbeinu, il parle de Hitbodedut. Et normalement, Hitbodedut, ça veut dire sortir. Sortir, c'est-à-dire, dans le mot Hitbodedut, il y a Boded, c'est-à-dire seul. Comme il a dit Bilam, il a vu l'âme Israël, il dit Badad Ishkon. C'est un peuple qui habite seul, mais Bémet dans le sort, je crois que c'est le Rachaïm HaKadosh qui dit ça, que Alpisod, quand il a vu ça, Bilam, qu'il a dit c'est un peuple qui est seul, il a dit c'est des gens, les juifs c'est des gens qui sont Bémet imprévisibles. Pourquoi ils sont imprévisibles? C'est pour ça, pour ce qu'on a dit maintenant. Il n'a jamais même que je me rappeler de ça maintenant. Quand il a vu le Ham Israël, Bilam, il dit c'est un peuple qui vit dans l'isolement, c'est-à-dire qui vit seul. Bada Dishkom, il habite seul. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il habite seul? Alors maintenant, les gens ils disent, ouais, c'est des gens, ils se prennent pour qui? Ils ne veulent pas manger comme tout le monde, avec tout le monde et tout. C'est pas ça ce que ça veut dire. C'est qui sont seuls, ça veut dire que c'est des gens qui sont... Il explique comme ça le Rechaim, il dit c'est des gens qui sont capables de se fabriquer seuls, c'est-à-dire qu'ils sont complètement indépendants de ceux qui les ont enfantés. C'est-à-dire que normalement, celui qui est enfanté, il est enfanté un modèle des parents. C'est-à-dire les parents, ils ont enfanté un enfant, voilà, il est comme eux, il leur ressemble, etc. Et dans l'âme Israël, ce n'est pas comme ça. C'est des gens seuls, c'est-à-dire c'est des gens qui sont capables de se construire seuls. C'est-à-dire de devenir des individus de leur propre initiative à eux-mêmes. Et il dit là-bas, pour les guérims, c'est pareil. Il dit un guerre quand il se rapproche du judaïsme, il n'a rien à voir avec ses parents. C'est un autre être complètement. Pourquoi? Parce qu'avec sa recherche personnelle, il a attiré une âme qui s'appelle Nefesh HaGer, l'âme d'un guerre. Il reçoit un supplément d'âme, et c'est cet supplément d'âme qui lui donne la force de rentrer dans le judaïsme, etc. Maintenant, ses parents, ils peuvent rester en arrière. Ils sont libres aussi, mais ça n'a pas de rapport avec lui. Maintenant, chaque juif, c'est comme ça.
Chaque juif, quand il a dit un peuple qui vit seul, ça veut dire que c'est des gens qui habitent seuls. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de se construire seuls. C'est-à-dire chacun, il a la possibilité de devenir quelque chose indépendamment de ses parents. Pour ça, Rabbi Nachman, il était pas d'accord quand on disait « Oui, mais vous êtes l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. » Il dit « Alors, qu'est-ce qu'il y a ?» Je te l'apprends. Tu crois que c'est le Baal Shem Tov qui m'a donné ce que je suis devenu ? Ce que je suis devenu, c'est avec mes efforts à moi. Je serais né le fils d'un épicier, je serais arrivé à la même chose. C'est pas sur la lignée dont je descends que je me suis construit. C'est pas ça avec ça que je me suis construit. C'est pas ces investisseurs-là qui m'ont fait que je suis devenu ce que je suis devenu. Je suis devenu ce que je suis devenu parce que j'ai été et j'ai pleuré et j'ai demandé et je comprenais pas la Mishnah. Je demandais à Hachem et je savais pas ce que c'est mitzvah tzitzit et j'ai pleuré des versets, des centaines de larmes jusqu'à Kadosh Baruch Hu m'a révélé qu'est-ce que c'est mitzvah tzitzit. Les gens croient à Rabbi Nachman, voilà, il a révélé des secrets de la Torah extraordinaires. Mais Rabbi Nachman, ces secrets-là, il les avait descendre avec son sang. Ils n'avaient pas descendre parce que quelqu'un, il était l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, qu'il a trouvé des livres chez lui, il avait écrit des secrets. Rabbi Nachman, il a jeûné, il a pleuré, il a demandé, il allait dans des mikvés glacés, il restait des heures en hiver dans de l'eau froide. Tout ça, pourquoi ? Pour retaper la carrosserie, pour que la carrosserie elle, puisse recevoir un moteur plus grand. Alors à chaque fois c'était des appels vers Hachem, des demandes de surplus d'âme, des surplus d'âme, jusqu'à qu'il a reçu des choses extraordinaires. Donc il s'est construit de par lui-même. Ça c'est un des shvachim du Ham Israël. C'est pour ça que Rabbeinu dit va faire itbo des doutes. C'est vrai que tout l'union de bo des doutes c'est de parler avec Hachem. Mais pour déclencher déjà ce dialogue, il faut que tu sois seul. Qu'est-ce que ça veut dire seul ? Ça veut dire que tu prennes conscience que tu es capable de te construire seul. Tu as besoin de personne Tu as besoin de personne, tu as une bouche et un cœur et il y a Dieu dans le monde, c'est tout. Et avec ça, tu vas recevoir tout, toutes les neshamot des tzadikim, toute la Torah, tu peux l'apprendre. Tu peux apprendre toute la Torah. Tu peux rentrer dans un endroit et demander à Hachem, révèle-moi la Torah. Révèle-moi la Torah, je veux apprendre la Torah. Et Hachem, il va te révéler la Torah. Tu vas apprendre la Torah. Là où tu es, quelqu'un viendra te chercher, quelqu'un qui va t'expliquer bien, qui va te sortir de là où tu es, etc. Tout ça, c'est le résultat de ce qu'il y a de demander. Mais le premier pas, c'est l'idbodet, c'est-à-dire sors, va t'isoler, prends conscience que seul, tu es capable. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin de la famille, tu n'as pas besoin des amis, tu n'as besoin de personne. Toi-même, tu es un être complet déjà. Tu as besoin de personne. Tu as tout en toi. Ça, c'est la base. Après, tu vas faire Itbo des doutes, tu vas commencer à prier, etc. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas t'exprimer. Mais si tu n'es pas conscient que seul, tu peux y arriver, tu ne peux pas réussir. Parce que toujours, tu vas croire que c'est les contextes qui vont faire. J'aurais pu, si ça, si l'autre, si ça, si la synagogue, elle n'était pas loin, si les gens ne parlaient pas à la synagogue, si le rabbin, il était sympa, si le voisin, il était comme si. Tu vas trouver des si et des si et des si et des si. Il n'y a pas de si. Là où tu te trouves, tu peux réussir. Comme tu es aujourd'hui. Quand j'avais demandé pour mes enfants, pour les inscrire dans une yeshiva, j'avais été voir un rav qui est un spécialiste comme ça dans les yeshivotes et tout. Je lui dis, voilà, qu'est-ce que vous me conseillez? Il m'a dit, toutes les yeshivotes, elles sont bien. Il y a des livres, il y a des tables. Voilà, elle est bien. Qu'est-ce que te donne une yeshiva? Yeshiva, ça veut dire s'asseoir. Donc, elle te donne des tables, des chaises et des livres. C'est tout. Donc, elle est bien, la yeshiva. Ah ouais, mais lui, il faut une yeshiva. Bon, quand la personne, c'est pas ce qu'elle cherche, c'est pas étudier. C'est-à-dire, elle veut étudier, mais dans un certain contexte social. Mais quelqu'un qui veut de la Torah, il veut rien du tout. Laisse-le tranquille, oublie-le, c'est tout. Donne-lui une chaise, une table, des livres, du manger, un lit pour se reposer, c'est tout. Il a besoin de rien du tout. Il a besoin de rien, parce que lui, il veut. Il a pas. Maintenant, quand quelqu'un, il veut pas, alors il a besoin de toutes ces choses-là pour le tenir un peu en place. Pour pas, il lui faut un téléphone, il lui faut un truc, il faut des sorties, il faut un mélamètre qui soit sympa, il faut un truc, il faut des copains. Tout ça, c'est uniquement pour tenir dedans, parce qu'il n'a pas un vouloir qui est assez fort. Mais celui qui veut, il a besoin de rien. Donc Rabbeinu, quand il nous dit « va faire Itbo des doutes », Rabbeinu dit « sors ». Sors des repères que qui entretiennent, parce que ces repères, sache qu'ils entretiennent. D'un côté, ils entretiennent le SMIG, c'est-à-dire qu'ils te permettent de te maintenir, mais d'un autre côté, ils te maintiennent en bas aussi, parce qu'ils t'empêchent de monter, puisque ces repères-là, ils te maintiennent
dans un certain contexte. Des fois, tu as des amis avec qui tu vois que les massés, tu n'as rien à dire, tu n'as pas parlé avec eux, parce que tu as envie de parler d'autre chose, mais il n'y a pas avec qui parler. Alors bon, tu restes là. Rabbeinu te dit, sors, va dans un endroit seul. Prends conscience déjà que tu es seul devant ton Créateur. Tu viens te présenter devant le Maître du monde. Tu dis, voilà, cher Créateur, moi je suis ta créature, tu m'as créé. D'après moi, voilà ce que je pense, comme ça. Ce que j'aimerais, c'est ça. Je pense que là-dedans, ça serait bien pour moi. Je pense ça. Tu commences à t'exprimer. Tu commences à être important à tes yeux. C'est pour ça que Rabbeinu dit à Rabbi Nathan que la Emouna dans Hachem, elle commence avec la Emouna en toi-même. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir Emouna dans Hachem. Comment tu vas avoir Emouna dans Hachem? Dans quoi? Tu as besoin de copains, de famille, de collègues, de trucs et tout pour réussir. Comment tu vas avoir Emouna dans Hachem? Puisque tu dépends complètement de la mise en scène de ce monde. Comment tu vas avoir la Emouna dans Hachem? Première chose pour que tu aies la Emouna dans Hachem, il faut que tu saches que tu es seul. Il faut que tu saches que tu es seul. Tu es né seul et tu vas partir seul aussi. Quelqu'un dit, c'est à la Vachalom aussi, M. Torjman, monsieur qui était avec Noël Slevin, les Niftar hier soir, il l'a enterré hier soir. À la Vachalom, quelqu'un, quand il part, quelqu'un, il est seul. Tu vois, même que les gens, ils sont sympas, ils sont gentils, tout ce que vous voulez. Mais après, quand ils l'ont mis dans le trou, ils l'ont couvert, tout le monde rentre chez lui. Il n'y a personne qui reste là-bas, qui dit, bon, je vais rester quelques années avec toi ici quand même, on était des copains. Il n'y a personne qui fait ça. Tous les gens, ils partent, ils rentrent chez eux. Et lui, il reste seul là-bas. Alors maintenant, cette solitude-là qui commence déjà maintenant, pas la peine d'attendre ça. C'est la peine d'attendre ce moment-là. Maintenant déjà, tu peux t'isoler, tu peux aller dans des endroits seul, même s'il y a du monde autour de toi, mais toi, tu es là-bas, tu es seul, tu as un rapport seul avec ton Créateur. Ça, c'est la base, Rabbi Nachman a dit « Dbodedout », il a appelé « Dbodedout », alors que maintenant, ce qu'il voulait dire, Rabbi Nachman, c'est le dialogue avec Hachem. Maintenant, pourquoi il n'a pas dit, pourquoi il a parlé du « Dbodedout », pourquoi il n'a pas dit « prière, dialogue avec Hachem », pourquoi il a dit « Dbodedout » ? Parce que « Dbodedout » elle-même, c'est la base de tout ça. C'est-à-dire, la première chose, c'est de savoir que je suis une créature d'Hachem et que j'ai mon importance et que j'ai ma valeur dans toute l'histoire de l'humanité, que j'ai une valeur et que cette valeur-là, elle peut se développer. C'est une base qui peut être se développer. Il faut d'abord que je prenne conscience de ça. Une fois que j'ai pris conscience de ça, ça y est, je peux commencer à ouvrir ma bouche, à tout faire. Maintenant, le Shabbat, c'est pareil. Hachem, il te sort. Hachem, il dit, voilà, je te fais un cadeau, c'est Shabbat, je te sors. Je te sors de 6 jours de la semaine. Tu as eu l'habitude de travailler, de construire, j'ai fait, on m'a fait, moi j'ai fait, et on a fait, etc. Ok, tu as fait. Maintenant, Shabbat, va une affaire. Tu arrives dans Shabbat, tout est fait, il n'y a plus rien à faire, ok. On n'a plus besoin de toi pour faire. Tout est fait, le manger est fait, les lits sont faits, la table elle est mise, les trucs, il n'y a rien besoin. Ne fais rien. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors, à quoi tu sers maintenant? Voilà, ça y est, pas besoin. Il n'y a besoin de rien que tu fasses. Alors qu'est-ce que c'est? Il reste que maintenant, tu es une créature devant Hachem. Voilà ce qui reste le Shabbat. C'est que tu te considères comme une créature devant Hachem. Pas à travers ce que tu fais, puisque tu fais rien. Tu restes la créature de base, comme un petit bébé, devant Hachem. C'est avec ça que tu construis tout. Avec ça, tu construis la Emouna. Avec ça, tu construis Tikkun Abrit. Avec ça, tu fais tout. D'abord, tu es mit Boded. Tu sors. Shabbat, ça s'appelle sortir. Hachem nous a sortis de force. Heureusement qu'Hachem nous a sortis, sinon on serait noyé dans la construction du monde. Dans la construction de la carrosserie, on aurait passé toute notre vie entière là-dedans. Et Hachem, il a dit stop, arrête. Arrête. Lui-même, Hachem, il a arrêté le monde. Hachem, il a arrêté tout. Arrêtez. Arrêtez de vous développer la matière. Ça y est, arrêtez. C'est Shabbat, on arrête tout. Il n'y a plus de créatures, il n'y a plus de nature, il n'y a plus rien, on arrête. Shabbat, on arrête tout. Hachem, il a arrêté lui-même. Alors l'homme, il s'arrête. Quand il s'arrête, il prend conscience qu'il existe. Qu'il existe en tant que potentiel à développer. En tant que base de développement. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé à la finalité de lui-même. C'est pour ça que quelqu'un, même avant de mourir, même quelques secondes avant de mourir, quelqu'un, il peut faire tshuva, il peut réparer sa vie entière. Sa vie entière, il y a un massé de Rabbeinu, qui c'est un long massé dans Chaim Yom Moran, mais
Voyez là-bas, voyez le Rebbe une fois, il a une vision comme ça où il était seul dans une forêt et il avait perdu tous ses élèves. Et les gens, ils venaient, ils se moquaient de lui, ils disaient, mais comment, tu n'as pas honte, toi, un descendant du Baal Shem Tov, mais tu n'as pas honte de ce que tu as fait et tout. Et lui, il ne savait pas de quoi il parlait. Alors maintenant, il était comme ça, dans un tsar terrible. Et après, il a demandé à quelqu'un, il a dit, il faut aller me chercher un livre, parce qu'ici, dans la forêt, je peux oublier même comment étudier. Alors il dit qu'il lui a amené un livre, il ne savait même pas comment le prendre, le livre. Il ne savait pas de quel côté l'hébreu ça se mettait. Alors il était dans un tsar comme ça, c'était terrible. Il a dit, il a mis sa tête comme ça, il s'est plié et il a commencé à hurler vers Hachem. Et après il a dit, si quelqu'un, il hurlait comme j'ai hurlé là, il dit, même s'il avait transgressé 800 fois toute la Torah entière, tout de suite Hachem lui pardonne. Il dit, s'il avait senti cette amertume et qu'il crie comme j'ai crié à ce moment-là. Vous voyez qu'une personne, elle est face à Hachem, seule. Il faut s'habituer à arrêter de mimer notre entourage. Chacun, il est unique dans sa prière, dans son rapport avec Dieu, dans sa conscience. Dans sa conscience, chacun, il est unique. Vous croyez que vous vivez dans le même monde? Personne n'a le même rapport avec le monde. Quand vous voyez une personne, ça ne veut pas dire la même chose pour vous et pour l'autre et pour l'autre et pour l'autre. Quand vous voyez une tranche de pain, ce n'est pas la même chose pour chacun. Chacun il a un rapport différent parce que chacun est unique. Maintenant, cette unicité-là, cette spécificité de chacun, elle est à développer. Elle est à développer. On n'est pas bloqué, on n'est qu'une base, c'est tout, de départ. Mais c'est libre à nous. Libre à nous de nous développer. Vous allez regarder Rabbi Akiva, ce qu'il a fait. Regardez Onkelos. Regardez combien de gens se sont convertis au judaïsme et ils sont devenus des grands dans la Torah, des sommités de la Torah. Regardez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a commencé à l'âge de 40 ans. Mais regardez Rabbi Akiva, que normalement c'est lui qui devait donner la Torah, c'est pas Moshe Rabbeinu. Où il peut arriver quelqu'un dans ce monde, rien qu'avec sa bouche, c'est tout. Rien qu'avec sa bouche, c'est tout. Rien qu'en demandant. Rien qu'en demandant à Hachem. C'est tout, sans aucune base de richesse personnelle. Quelqu'un, il n'a pas besoin d'être né ni fils de rabbin, ni fils de grand rabbin, ni de fils de petit rabbin, rien du tout. Rien du tout. Quelqu'un, il peut naître très très simple. Et de ça, il peut arriver à des niveaux extraordinaires parce que toutes les possibilités sont ouvertes à lui. Mais seulement, il faut être mitbodet. C'est-à-dire, il faut sortir et prendre conscience de notre existence. Hachem, il l'a fait dans le klal pour le Shabbat, mais chacun, il doit le faire dans le prat et tous les jours. Parce que sinon, la marée nous emporte. C'est une marée, ce monde-là. C'est une marée de concepts et de paroles et de politique et de créativité, tout ce que vous voulez. Mais toute cette marée, elle emporte toutes les carrosseries du monde, tous les corps du monde, elle les emporte, cette marée. Donc maintenant, dans cette marée, il faut s'arrêter. Il faut dire, moi, non, moi, je ne vous suis pas. Moi, j'arrête. Laissez-moi tranquille, une heure, j'ai besoin de me retrouver. Je ne peux pas courir toute la journée, il y a un moment, j'ai besoin de me retrouver. Que ce soit au milieu de la nuit, le matin, quand il peut. Au milieu de la nuit, c'est le mieux, parce que la marée, elle est calme, les gens, ils sont endormis, et on a plus de liberté de ressentir les choses. Mais n'importe quand, c'est bien. Le Icar, c'est de sortir. De sortir pour prendre conscience qu'on est une matière qui peut se développer. Et que si on ne développe pas cette matière, on va rester une carrosserie toute notre vie, c'est tout. Donc une carrosserie, et après elle va aller à la casse. C'est rien fait de sa vie. Rien du tout. Il n'a rien fait de sa vie. Qu'est-ce qu'il va venir? Il va dire, j'ai mangé, j'ai travaillé, j'ai fabriqué des lampadaires. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Rien du tout. Si maintenant quelqu'un ne cherche pas à se développer, il va rester minable. Il va rester la matière de base, le kit de base. Sans aucune option, il n'y a pas d'option, alors qu'il y a des millions d'options. Chacun, il a des millions d'options possibles de devenir quelqu'un, dans des domaines tellement riches et tellement extraordinaires, et après d'enrichir le monde. Parce que dès que vous devenez quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire devenir quelqu'un? Dès que vous avez rentré une âme dans votre carrosserie, vous commencez à enrichir le monde tout de suite. Tout de suite, vous enrichissez le monde. Tout de suite, vous transmettez autour de vous, à vos proches, votre famille, vos amis, toutes les âmes qui sont connectées à vous, qui sont de la même racine. Elles reçoivent tout de suite. Tout de suite. Dès que quelqu'un reçoit un supplément d'âme, toutes les âmes qui dépendent de lui, elles sont informées tout de suite. Tout le réseau. Voilà, maintenant, aujourd'hui, vous avez des réseaux. Mais tous les réseaux,
BMS, c'est fatigant, ces réseaux-là, parce que toute la journée, ils vous envoient des messages, et celui-là, il a fait son, il a ajouté dans son réseau, et tout ça. BMS, c'est fatigant. Enfin, moi, j'ai plus la force d'ouvrir ces trucs-là. Mais le principe lui-même, il est niflard. Parce que vous voyez, quand vous rentrez dans un réseau, ça veut dire que vous vous définissez comme faisant partie d'un groupe de gens qui sont intéressés par une chose, disons qu'à peu près un kivoun, une orientation à peu près. Alors maintenant, on vous dit, voilà, celui-là, il a renouvelé, il a ajouté dans son réseau quelque chose. Alors peut-être que ça peut vous intéresser, vous êtes susceptible d'être intéressé. Mais spirituellement, c'est pareil. Vous recevez un supplément d'âme, tout le réseau, il est informé. Pas informé par des paroles d'Internet, il est informé dans l'intérieur. C'est-à-dire, il reçoit lui-même, il s'enrichit. Lui-même, il s'enrichit. Une fois, un monsieur, il a été voir, je me rappelle, de Rabbi Yankel, à la Vachalon, qui était à Anvers. Une fois, quelqu'un, il a été le voir, il a dit, mon fils, il veut pas faire la prière le matin. Alors le Rav, il lui a dit, commence-toi, fais-toi la prière déjà le matin. Fais-toi bien la prière. Il ne me parle pas de ton fils. Je me parle de ton fils. Il veut me parler de ton fils. Qu'est-ce que tu fais, toi? Si toi, tu faisais ce qu'il faut, ton fils, il le ferait. Il n'y a pas de problème. Allez, ajoute. Et dis, ouais, mais moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Non, tu crois que tu as fait ce que tu as pu. Tu n'as pas fait ce que tu as pu. Tu peux faire beaucoup plus que ce que... Mais ne crois pas que c'est beaucoup plus avec ta force personnelle. C'est là où les gens, ils se trompent. C'est vrai, d'après maintenant ton bilan actuel d'énergie spirituelle, tu ne peux pas faire plus. Tu es en dépassement total, d'accord. Mais sache qu'il existe des pompes à essence qui donnent de l'énergie spirituelle. Il y a des tzadikim, il y a des neshamot qui sont là et qui demandent qu'à t'aider. Appelle-les, demande-leur. Demande de l'aide. Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide? Demande de l'aide et tu vas t'enrichir. Et quand tu vas t'enrichir, tu vas voir, tu vas pouvoir faire plus, beaucoup plus. Pour toi, pour ta famille, pour tout l'âme Israël, tu vas pouvoir faire beaucoup plus parce que tu es un potentiel. Chacun, c'est un potentiel à la base. Seulement, il y a des gens qui les ont développés, il y a des gens qui ne les ont pas développés, qui sont restés des pauvres types toute leur vie. Alors qu'ils n'étaient pas... Que Hachem, il n'a jamais fait quelqu'un qui est limité à être un pauvre type. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Il n'y a pas quelque chose comme ça. C'est écrit que quand on a passé la mer Rouge, elle a vu une chifra, une servante. Elle a vu plus que ce qu'il a vu Yechezkel en a vu. Le prophète Yechezkel, ce qu'il a vu, la vision du chariot céleste, etc. Eh bien, une servante, une simple servante, elle a vu dans le passage de la mer Rouge plus que ce qu'il a vu lui. Alors les Chazal disent, de là on voit que ça soit un juif, que ça soit un goy, tout dépend de ce que la personne elle fait, ce qu'elle veut faire dans sa vie. C'est tout. Et tout le monde peut arriver à tous les niveaux. Parce que chacun a une base, que cette base-là, elle suffit pour être développée. Chacun il a un investissement, et à la base, on lui a donné une somme, que cette somme-là, il peut l'investir et développer. Maintenant, s'il n'a pas voulu, c'est son problème à lui. Mais maintenant, chacun, il a la force. Alors, quand vous voyez que l'humanité, elle est endormie comme ça, complètement, que les gens, ils sont à côté, ils sont en train de penser à des choses qui sont uniquement faites pour les bercer, pour que les 70-80 ans qu'ils ont passé ici, ils passent et que la personne n'a rien fait, alors il faut se réveiller. Au moins, celui qui est conscient un petit peu, il faut qu'il se réveille, que lui, il aille tirer des âmes, faire descendre de l'énergie dans le monde. Au moins, lui, il peut, il est conscient un petit peu, alors qu'il amène de l'énergie dans le monde. C'est ça la responsabilité de chacun. Zakuba.